Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une deuxième vidéo pour vous montrer donc les jeux que j'ai sur ma micro SD Bateau Serra. Donc ici, je vais vous montrer les jeux que j'ai pour la PlayStation 2. Donc ici, il n'y en a que 32, mais j'ai une autre micro SD Bateau Serra PS2 qui n'est rien que pour les jeux PS2. Donc ça, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Et vous me direz donc les jeux que vous aimeriez que je vous présente. Donc voilà, on va commencer par le commencement avec Burnout 3 Takedown, mon opus préféré, franchement, une grosse tuerie, vraiment, j'ai adoré cet opus là, c'est waouh. Burnout Revenge, que je ne savais pas qu'il était sorti d'ailleurs sur PS2, celui-là, il me semblait que c'était sur Xbox 360, enfin moi je l'avais et je l'ai toujours sur Xbox 360. Mais voilà, à mon avis, c'est sur la fin de la PS2 qui était sortie. J'avais bien aimé aussi, malgré que j'ai préféré quand même l'épisode 3, le Takedown. Crash Bandicoot, La Vengeance de Cortex. Dragon Ball Z Budokai 3. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Donc à chaque fois, ben, c'est des licences. On a le troisième, le dernier opus de la franchise, de la série de ce moment-là, quoi. On a le Dynasty Warrior 5 que je viens de rajouter. On a le FIFA 14, Fight Club, Flatout, God of War, God of War 2, Gran Turismo 3 Aspect, Gran Turismo 4 qui était excellent, avec des épreuves de rallye. On a le GTA San Andreas qui était génial également, le GTA Vice City, on a le GTA 3 aussi, Medal of Honor en première ligne, Need for Speed Most Wanted. Celui-là, ben, je l'avais eu aussi sur Xbox 360. C'était mon premier Need for Speed sur 360 et j'avais adoré cet opus. On a le Need for Speed Underground. L'Underground 2, j'avais adoré ces deux opus-là. Je les ai sur Xbox tous les deux et sur GameCube. En PlayStation 2, je ne sais même pas si je les ai. À l'époque, j'y ai beaucoup joué. C'était sur la version GameCube. J'avais pas pris la version Xbox parce qu'il y avait des soucis que ça ramait et tout. Et pour finir par après, j'ai quand même acheté les versions Xbox en occasion. Voilà, j'ai bien aimé quoi. On a le Hot Run 2006 Coast to Coast, le Ratchet & Clank 3, Red Faction, Resident Evil Code Veronica X, le Sega Bass Fishing Duel, le Smuggler's Run, Soul Calibur 3, Tekken 5, le Tekken Tag Tournament, Theme Park World et le Tony Hawk Pro Skater 3. Voilà, voilà. Donc, pour ce qui concerne les jeux PS2, n'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous aimeriez que je vous présente. Ou je vous montrerai également les titres que j'ai sur l'autre micro SD. Et s'il y a des titres que je n'ai pas sur l'une ou l'autre, ben forcément, ben je les rajouterai pour vous présenter ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à lâcher le petit pouce bleu qui fait super plaisir et qui aide la chaîne. Laissez-moi un petit commentaire, je vous répondrai. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, prenez soin de vous, surtout jouez bien. Ciao, ciao.